Il y a très longtemps, dans la forêt, le Seigneur Bouddha méditait. S'approche un jeune naga qui appréciait les litanies des textes sacrés. Lors d'une respiration, le naga lui demanda s'il pouvait être ordonné moine. Le Seigneur Bouddha lui répondit que seuls les humains pouvaient devenir moines. Le naga s'enroula sur lui-même et attendit. Devenu adulte, le naga proposa d'être garde du corps du Seigneur Bouddha. Aujourd'hui, le naga campe sur les rampes qui accèdent au temple bouddhiste. Ainsi, il peut entendre les enseignements du prince Siddhartha Gautama, devenu le Bouddha. Le naga est un animal fabuleux, craché parfois par un dragon. Ayant le cou puissant, représenté par un corps de serpent, pouvant avoir plusieurs têtes, souvent chimérique et effrayante, gueule de chien, yeux exorbités et parfois humains.